Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de trouver une méthode simple pour calculer ces intégrales. Donc, on va commencer par le premier intégral. Donc, on a x plus 5 sur x carré plus 2x plus 5 dx. Donc, la première des choses qu'on remarque, on a au dénominateur, c'est un polynôme. Donc, on peut décomposer en éléments simples. Donc, pour cela, la condition, il faut que le delta soit positif ou nul. C'est-à-dire, on va calculer le delta de ce polynôme. Donc, on a delta est égal à 2, c'est-à-dire 2 carré, c'est 4, moins 4ac, c'est-à-dire moins 20, donc c'est négatif. Donc, on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une identité remarquable. Donc, c'est de la forme a carré plus 2 fois ab. Donc, b ici, c'est quoi? C'est 1. Plus, donc il faut que le 1. Donc, le 1, je peux le trouver dans 5. C'est-à-dire, je peux mettre 5 est égal à 4 plus 1. Donc, cette intégrale, il est égal à quoi? X plus 5. Donc, je peux l'écrire x carré plus 2x plus 1 plus 4. Parce que 5, c'est quoi? C'est 4 plus 1. Donc, dx. Donc, on aura x plus 5 sur donc, x plus 1 au carré. Parce que c'est une identité remarquable plus 4. Dx. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un changement de variable. Donc, on pose par exemple u est égal à x plus 1. Donc, ça veut dire que x est égal à u moins 1. Ça veut dire que dx est égal à du. Donc, on repasse dans l'intégrale. Donc, on aura x plus 5 sur. Donc, x plus 5, c'est quoi? Donc, on a vu que x est égal à u. Donc, on la remplace directement. C'est u moins 1. Voilà, u moins 1 plus 5 sur u carré plus 4. Et dx, c'est quoi? C'est du. Voilà. Donc, on aura une intégrale plus simple. Donc, on aura u moins 1 plus 5, c'est plus 4, sur u carré plus 4 du. Donc, je peux la mettre, c'est u sur u carré plus 4. Donc, c'est la somme de deux intégrales, du plus l'intégrale de 4 sur u carré plus 4 fois du, la même chose. Donc, c'est 4 ici, donc c'est 4, ici c'est 4. Donc, c'est u ici, oui. Donc, on aura donc u plus 4 sur u carré plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va bien différencier. Donc, on aura, on a que cette primitive, la primitive de cette intégrale, on la connaît. Pourquoi? Parce qu'il suffit de multiplier le u par 2 pour avoir, parce qu'il n'a u carré plus 4, la dérivée, c'est u. Donc, on a la forme u prime sur u. Donc, il suffit de multiplier par 2 et diviser par 2. Donc c'est quoi? C'est u prime sur u. Donc, on a la primitive de u prime sur u, c'est quoi? C'est ln de u. Donc, on aura 1 demi l'intégrale de 2u sur u carré plus 4 du plus 4. Donc, je fais sortir la constante du sur u carré plus 4. Même la primitive de cette intégrale, je la connais. Donc, on sait que l'intégrale de du sur u carré plus a carré est égal à quoi? C'est 1 sur a tangente moins 1 de u sur a. Donc, arc tangente ou bien tangente moins 1. Donc, maintenant, on a tous les primitifs, c'est plus simple. Donc, on aura donc cette intégrale, elle est égale à quoi? C'est 1 demi. Donc, on a vu, c'est u prime sur u. Donc, c'est ln, la valeur absolue de u carré plus 4
plus 4 fois, donc on a le A, donc le A ici c'est quoi? A est égal à 2, parce que 4, je peux écrire 2 à la puissance 2. Donc, on a 4 fois 1 sur A, c'est-à-dire 1 fois 2, fois tangente, l'arc tangente, tangente moins 1, 2, U sur 2, plus la constante. La constante, c'est bon? Donc, on aura égal à 1 demi ln de U carré plus 4, plus 4 sur 2, c'est 2, tangente, moins 1, de U sur 2, plus C. Donc, il faut remplacer maintenant le U par en fonction de X. Donc, parce qu'on a fait un changement de variable, c'est tout. Donc, on a vu que, on a posé que U est égal à quoi? Est égal à X plus 1. Donc, U carré, c'est X plus 1 au carré. Donc, U carré plus 4, ici, c'est X plus 1 au carré plus 4. Et ça, c'est quoi? C'est X carré plus 2X plus 5. C'est la même. Donc, on va un demi ln, donc on va U carré, c'est quoi? On a vu que U carré plus 4, c'est quoi? C'est X carré plus 2X plus 5. Voilà, plus 2 fois tangente moins 1, U c'est X plus 1, le tout sur 2. Plus la constante, c'est voilà la primitive de cette intégrale. Maintenant, on passe au deuxième. Donc, il suffit de remarquer. Donc, c'est simple. Donc, si delta est négatif, donc essayez de voir est-ce qu'il y a une identité remarquable, oui ou non. Donc, il faut procéder d'une façon plus simple, simplement. Donc, on passe au deuxième. Donc, c'est plus simple de faire une méthode, c'est-à-dire au lieu de faire... Autre méthode, la plus simple, c'est de voir qu'on a ici une, parce que le 5, on peut écrire 4 plus 1, donc on aura une identité remarquable et ça sera de calculer l'intégrale plus simplement. Donc le deuxième, on a x carré fois racine de x plus 3 fois dx. Donc toujours, il faut faire le changement de la variable, donc je peux faire u est égal à x plus 3. Donc ça veut dire que x est égal à quoi? U moins 3. Et dx est égal à du. Donc, il faut remplacer ici. Donc, ici, x carré, ça veut dire non. Puisque x est égal à u moins 3, donc x carré, c'est u moins 3 au carré fois racine de u. Parce qu'on a fait le changement de variable, on a posé u est égal à x plus 3 fois dx, c'est du. Donc, on aura, donc il faut développer, c'est u carré plus 9 moins 2 fois, donc moins 6 fois u. Le tout multiplié par racine de u fois du. Donc, égal, donc il faut développer, donc on a u carré, donc u c'est à la puissance 1 demi. Donc, on aura u carré fois racine, donc fois u à la puissance 1 demi du, plus 9, c'est une constante, donc on aura u à la puissance 1 demi du, moins 6, c'est une constante, donc on aura u fois u à la puissance 1 demi du. Je sépare les intégrales, donc on aura u carré plus, donc il y a, donc on aura l'intégrale de u, donc c'est 5 demi fois du, plus 9, l'intégrale, donc u 1 demi du, moins 6, l'intégrale, donc on a à la puissance 1, donc on a 2, 3 demi, U, la puissance 3 demi, D. Donc ces intégrales, les primitives de cette intégrale, on les connaît. Donc on a l'intégrale de U à la puissance alpha, c'est quoi? C'est U à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc il suffit d'ajouter le 1 et le diviser par le même nombre. Donc on aura... C'est la primitive de ça, c'est quoi? C'est u à la puissance 5 demi plus 1. Donc on aura, c'est 7 demi. 7 demi sur 7 demi. Plus 9. La primitive de ça, donc plus 1, ça veut dire u à la puissance 3 demi sur 3 demi
et moins 6. Donc, U plus 1, ça veut dire 5 demi, c'est ça? Donc, on a U plus 1, donc c'est 5 demi. 5 demi sur 5 demi plus la constante. Donc, cet intégral, il est égal à quoi? Il est égal, donc je multiplie par l'inverse, c'est 2 septièmes, U à la puissance 7 demi, et plus 9, 9, donc c'est 18 sur 3, 18 sur 3, c'est 6. Plus 6, U à la puissance 3 demi, donc, parce que je multiplie par l'inverse, donc 2 fois 9, c'est 18, 18 sur 3, c'est 6. Donc, moins 6 sur 2, moins 6, donc, donc 12, c'est 12 sur 5, et à la puissance 5 demi, plus c. Donc, il faut trouver, donc il faut remplacer le U en fonction de X. Donc, on a posé que U est égal à X plus 3, donc on aura 2, donc c'est ça. 2 septièmes, c'est pas trop, oui, 2 septièmes, c'est, pardon, donc c'est 2 septièmes. Donc 2 septièmes, donc U c'est X plus 3 à la puissance 7 demi plus 6 X plus 3 à la puissance 3 demi et moins 12 sur 5 fois X plus 3 à la puissance 5 demi et plus la constante, c'est voilà l'intégrale. C'est simple. Donc, il suffit de faire un changement de variable. Donc, on passe au dernier. Donc, on a l'intégrale de tangente de x fois ln de cosinus x fois dx. Donc, on remarque si on fait, c'est-à-dire si on remplace le dx, on a par exemple, si je pose que U est égal à ln de cosinus X. Si je fais le DU, c'est-à-dire DU, donc U', c'est quoi? Donc DU est égal à quoi? Est égal à 1 sur, donc c'est la dérivée de cosinus parce que ln de U de X prime, le tout prime, c'est quoi? C'est U' de X sur U de X. Donc, on aura U' de cosinus, c'est moins sinus, sinus x sur la même cosinus x fois dx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dx est égal à quoi? Est égal à cosinus moins cosinus x sur sinus x fois du. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, puisque tangente, tangente c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Si je remplace le dx ici, donc elle va être simplifiée. Oui ou non? Donc, on aura l'intégrale de tangente x fois, donc, u, donc, c'est u, fois dx, c'est quoi? C'est, en fonction de du, c'est moins cosinus x sur sinus x, donc, du. Donc, le tangente, la tangente, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Donc, je peux l'écrire. Donc, c'est sinus de x sur cosinus x fois moins cosinus x fois sinus x. Donc, sinus x multiplié par u fois du. Donc, ici, donc, elle va être simplifiée, simplifiée. Donc, on aura moins... le moins l'intégrale de u du. On tombe sur l'intégrale de u du. Donc ici, donc u à la puissance alpha, donc on a, c'est u à la puissance 2, donc c'est moins sur 2, plus la constante. Donc il faut remplacer le u par ln de cosinus x, donc on aura l'intégrale de tangente x fois ln de cosinus x dx égale à quoi? Est égal à moins 1 demi. Voilà. U carré c'est quoi?
Donc, on a posé que, on a posé U est égal à ln de cosinus X. Donc, ln de cosinus X, le tout au carré, plus la constante. Bon, c'est bon. Donc, essayez de simplifier les intégrales pour, parce qu'il y a des méthodes plus simples, au lieu de compliquer les calculs. Donc, merci de votre attention et à